Et pourquoi pas moi ? Par où on commence ? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions ? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... un cocktail d'échange. Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. Reboostons-nous ! Aujourd'hui, j'avais envie qu'on échange autour d'un sujet qui me touche de près ces derniers jours et ces dernières semaines, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on en parle ensemble, parce que je pense qu'en fait, ça nous touche un peu tous, alors chacun à notre niveau, mais en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir ton avis, ton retour d'expérience, et peut-être celui de ceux qui nous écoutent également. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques temps, je me rends compte que j'ai une forme d'addiction à mon téléphone. Je t'explique un peu plus. Je le vois surtout dans une certaine période, quand il y a des moments, par exemple, en fin de journée où je me sens fatiguée, où je sens que j'ai des tensions, que j'en peux plus, et que le fait d'être la tête penchée sur mon téléphone en train de jouer ou de regarder des conneries ne me fait pas forcément du bien. J'aurais tendance à avoir besoin d'aller faire autre chose, d'aller bouger, d'aller marcher, d'aller faire du yoga ou d'aller prendre du temps un peu pour moi en dehors des écrans. Et il y a comme une forme, je sais pas si c'est de la flemme, de l'addiction, de... je sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche de le faire et du coup j'ai tendance à rester bloquée sur mon téléphone, quitte à me sentir encore plus mal du coup une heure après puisque j'ai continué à laisser le truc s'installer alors que j'aurais pu agir beaucoup plus tôt pour éviter tout ça. Voilà, c'est un peu ma problématique du moment et je me suis dit que ça pouvait être chouette qu'on échange toutes les deux autour de ce sujet et de ce qu'on peut vivre chacune, du coup. Ouais, alors c'est drôle parce que c'est un sujet qui me touche aussi par rapport à un fait très récent, c'est-à-dire que bah, typiquement cette semaine, ça m'est arrivé. J'étais très fatiguée de mon retour de Metz parce que je fais assez souvent quand même, je dirais une fois par mois. Des allers-retours sur Metz, Paris, etc. J'étais fatiguée de mon retour. J'avais envie d'aller dormir et je me suis dit non, on a un jour de semaine, il faut que je travaille, il faut que j'avance sur mes projets, il faut que je me remette en mouvement parce que bah, ça y est, mes objectifs ont évolué, j'ai terminé ma formation, donc je me suis dit allez, maintenant tu reprends ton entreprise en main, etc. Et la fatigue ne me quittait pas, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit au niveau du boulot. Et donc je traînais sur le téléphone, je traînais sur Instagram, mais rien ne... c'est pas comme si c'était intéressant. C'est-à-dire que j'étais sur le réseau et j'actualisais toutes les 2 minutes la page pour voir s'il n'y avait pas une story de personne que je suis qui là m'intéresse. Bon, pas de story, ok, je vais dans l'explorer, tu scrolles, tu te rends compte que rien ne t'intéresse dans le contenu qui t'est proposé, et pourtant, tu restes sur ton téléphone, alors que là, la meilleure chose que j'avais à faire, c'était de lâcher mon téléphone, aller me coucher 1 heure, et revenir, et c'était ok. Et pourtant, même si je savais ce qui était bénéfique pour moi à l'instant T, c'est-à-dire dormir... J'étais en train de lutter et de rester sur mon téléphone à scroller, alors que ça ne m'apporte rien. Et c'est très étrange parce qu'au fond de moi, j'ai pas l'impression que ce soit une addiction dans le sens où ces dernières semaines, quand j'étais en train de faire ma formation de psycho, je me suis prouvée finalement que j'étais pas accro à mon téléphone parce que je pouvais le laisser à l'autre bout de la pièce 3-4 heures d'affilée parce que j'étais en train de bosser mon chapitre, etc. Alors oui, je le reprenais entre midi pour voir mes messages, etc. Donc, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être ultra accro. Et en même temps, je me sens quand même dépendante du téléphone. Je pense qu'il y a vraiment ce sentiment, et là, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se reconnaître, et je pense même toi, c'est on a développé un sentiment de il faut répondre dans l'heure, à tout le monde, au mail, au SMS, t'as envie d'être présent pour tout le monde, t'as envie de répondre à tous les DM, à tous les mails, à tous les SMS, à tous les WhatsApp, etc. En plus, nous, avec notre activité, les réseaux sociaux, bah, il y a plein d'inconnus qui nous contactent sur les réseaux, il y a nos proches qui veulent avoir des nouvelles, et en fait, si t'es en démarche professionnelle aussi, bah, t'as des entreprises qui peuvent te contacter par boîte mail. Donc, t'as cette... t'es envahie d'informations et t'as tout le temps envie d'y répondre
Et je pense qu'on a créé ouais, une forme de très grosse dépendance par rapport au téléphone, par rapport au fait qu'il faut être tout le temps présent, tout le temps répondre, et même s'il n'y a pas forcément de message, bah on est dessus au cas où. C'est hyper intéressant et surtout de t'écouter. Je crois que ça vient de me faire avoir une prise de conscience. C'est très drôle. C'est-à-dire que tu disais que tu te sentais pas forcément accro réellement au téléphone puisqu'il y a des périodes où tu arrives complètement à le lâcher et tout. Et je suis hyper d'accord avec toi. Et que ce soit quand on bosse, mais aussi par exemple, moi quand je suis avec des gens, je déteste avoir mon téléphone, répondre à des messages et ainsi de suite. Donc j'évite ou en tout cas je le fais très très peu que si c'est vraiment nécessaire. Et en fait, je me suis fait une comparaison, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, à me dire, mais en fait, le téléphone, c'est comme les bonbons. Quand tu n'as pas de bonbons chez toi, il n'y a pas de souci. Quand tu ouvres le paquet de bonbons et que tu en manges un, tu en manges 15. Parce que le sucre te rend addict sur l'instant, Ouais. mais pas forcément sur le long terme, sauf si tu as l'habitude d'en manger tous les jours du matin au soir. Mais en fait, j'ai l'impression que le téléphone, c'est pareil. Tant que tu ne le touches pas, ça va. Si tu te mets dessus, il y a une forme d'addiction qui se crée et tu as du mal à t'en détacher. Je sais pas si ça te parle, mais vraiment, ça m'a fait cet effet-là, en fait. Clairement, ça me parle de ouf. Ben voilà, écoute, je sais pas. C'était la prise de conscience en cours de podcast qui arrive comme ça. Mais du coup, je pense qu'en fait, c'est ça. Alors, après, il faut différencier. Il y a certainement des personnes qui sont réellement accros au téléphone et il y a des personnes pour qui le téléphone devient addictif. Je pense que c'est comme ça, en fait, qu'il faut le dire. Et nous, on est certainement dans cette forme où le téléphone devient addictif et où finalement, toutes les stimulations qui nous permettent d'avoir, même quand au final, on n'a rien à y faire, parce que tu le disais tout à l'heure, mais il y a des fois où on recharge 15 fois la page pour voir s'il y a des nouvelles stories, pour voir s'il y a un nouveau truc qui a été publié. Mais en fait, on a déjà fait 10 fois le tour, on se fait chier. Mais au lieu de se faire chier et d'aller faire autre chose, on se fait chier sur notre téléphone et on continue. Alors qu'on a fait le tour 10 fois du téléphone et qu'il n'y a rien à faire dessus. Et je pense que c'est vraiment plus une question de stimulation. Je sais, et je vais pas en parler hyper longuement, mais je sais que, par exemple, au niveau médical, il est déconseillé, voire on conseille même d'interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans, voire de moins de 6 ans. L'idéal, ce serait que les enfants n'aient pas accès aux écrans avant 6 ans au minimum, au niveau de leur construction cérébrale et ainsi de suite, puisque eux ont un cerveau qui n'est pas du tout mature. Et donc, ben, il y a des connexions qui ne vont pas se faire correctement. Il y a aussi plein de choses qui vont rentrer en compte. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant en bas âge, il va se construire par ce qu'il va vivre, par ce qu'il va expérimenter autour de lui, par les frustrations qu'il va avoir et ainsi de suite. Avec un écran, t'as tout tout de suite en permanence. Et donc, par exemple, je te donne un exemple. Si tu fais un jeu où tu dois construire une tour sur le téléphone, t'as juste à déplacer les pièces et les pièces, elles se mettent automatiquement et tu construis ta tour. Alors que quand t'es dans la vraie vie et qu'un enfant va construire sa tour, et ben à un moment donné, elle est plus droite, elle se casse la gueule. Et c'est ça qui crée des frustrations et qui l'aide aussi à se construire petit à petit. Chose qu'avec le téléphone, on n'a plus. Et en fait, on a une facilité d'accès à tout. Alors là, je te le montre sur un jeu parce que je te parle d'un enfant, mais à hauteur d'adulte, c'est la même chose. On a accès à tout tellement facilement que ça nous rend complètement addicts et dépendants en fait de ce truc-là. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose de ce style. Mais tu vois, quand je vois que c'est recommandé de l'interdire aux enfants de moins de 3 ans, voire de moins de 6 ans, je me dis, mais il y a quand même vraiment quelque chose en termes d'impact sur la santé. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez à hauteur d'adulte, en fait. Ouais, bah en parlant de ça, j'ai l'impression que j'avais quand même entendu quelque chose à ce sujet. Alors, je suis pas sûre d'avoir les bons termes, mais tu sais, c'est la peur du manque. Ah, c'est Et la FOMO? ouais. Ça, je crois. J'avais plus les bonnes lettres. J'étais en train de penser à YOLO et je c'est pas du tout YOLO. Mais ouais, il y a cette histoire de peur du manque parce que. En fait, on a tellement accès à une multitude d'informations de par les réseaux sociaux, Internet, etc. Je vais prendre typiquement, moi ça m'a choqué, bon, c'est quand même assez récent, hein, me semble-t-il, à hein, moins que je ne suis pas à la page, mais il me semble que c'est assez récent. Sur le téléphone, quand tu ouvres Google, à l'époque, tu avais juste ta page Google, tu tapais ta recherche et tu accédais à ta recherche. Et maintenant, ils te mettent limite le top tendance. Et donc moi, généralement, quand je vais sur Internet, c'est parce que je veux poser une question, je vais aller chercher une information, mais quelque chose de précis.
Donc j'arrive avec mon idée, je veux aller chercher mon information sur Internet, j'ouvre Google et là je vois le top tendance et des fois ça m'interpelle. Je me dis oh, pourquoi les gens ils vont chercher ça? Et je commence à partir dans tous les sens sur Internet. Parce que là, je sais pas te donner un exemple, mais des fois ils te mettent des noms de présentateurs télé et tu dis mais pourquoi la personne-là elle ressort en ce moment? Tu cliques et hop, et t'apprends qu'il y a un problème et nanani, et tu cherches les tenants et les aboutissants alors que tu t'en fous royalement. Mais ça pousse à la consommation. Et enfin moi, c'est des choses, c'est des informations, ça ne m'impacte pas du tout dans ma vie. Alors déjà, il faut savoir que de base, je ne regarde pas les infos. Alors, bien sûr, il y a les points positifs et les points négatifs parce qu'il y a des fois des choses très importantes que je rate. Mais dans l'immédiat, ça ne touche pas mon quotidien, ça ne m'impacte pas. Et surtout, j'ai remarqué la plupart du temps quand j'étais plus jeune, parce que ça fait maintenant des années que je ne regarde plus les infos, mais quand je regardais les infos quand j'étais jeune, parce que mes parents regardaient les infos, ça m'impactait beaucoup trop fort émotionnellement. Parce que je suis quelqu'un, je suis très sensible à ce qui se passe dans le monde, au malheur des gens, etc. Et généralement, les infos, c'est pour t'annoncer qu'il y a des problèmes dans le monde, des tremblements de terre, des problèmes climatiques, etc. Enfin bon, bref. Et du coup, moi, ça m'impacte beaucoup trop. À chaque fois que je finis de regarder les infos, je suis toute retournée, je suis toute triste. Donc, j'ai arrêté de regarder ça. Et je me dis, et maintenant, quand j'ouvre cette foutue page Internet sur le téléphone pour aller chercher juste une info et je ferme le téléphone, bah non, je perds une demi-heure parce que je tombe sur le top tendance et t'as envie de savoir ce qui se passe, quoi. C'est fou et j'ai l'impression que c'est... Ouais, je sais pas si c'est vraiment utile, ce genre de choses, parce que des fois, les informations que les gens cherchent, bon, des fois, c'est vraiment... C'est aller chercher qui couche avec qui dans les people, ça, vraiment, je m'en contrefous. Et pourtant, tu vois le nom qui sort, tu cliques et là tu te dis bon bah je fais quoi de cette info, ça touche ma curiosité, ça touche pas ma curiosité, du coup tiens ça me fait penser à un tel, qu'est-ce que devient un tel, alors que la personne c'est une star, c'est pas ta famille, donc t'es, enfin je suis hyper détachée de tout ça, je me dis mais pourquoi je m'embarque dans une demi-heure de recherche, de passer d'une célébrité à une autre, d'un fait divers à un autre, Non, enfin, il faut arrêter ces fonctions-là. D'ailleurs, j'aimerais bien l'enlever parce que franchement, ça me bouffe de trop. Enfin, tu perds un temps fou. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez récent. Enfin, je ne sais pas si tu as constaté ça sur ton téléphone. Mais... Alors, j'ai vu qu'on y avait accès également. Je n'y accède pas parce que je vais te faire une comparaison très simple. Mais dans la vie quotidienne, quand je me promène en ville ou dans des magasins, il y a des gens que je connais qui passent à côté de moi et je ne les vois pas. Parce que quand je suis fixée sur un point, je ne regarde pas ce qui se passe autour. Voilà. Avantages et inconvénients. Exactement. Voilà. Donc déjà, des fois, les gens m'en veulent un peu, mais bon, je le dis bien et les gens qui me connaissent le savent. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'aller leur dire bonjour, mais je ne les vois pas. Et c'est pareil sur le téléphone. Quand je veux chercher un truc, il peut se passer tout ce qu'il veut autour. Je ne le vois pas. Donc, c'est-à-dire que là, quand t'en parlais, j'étais là, ouais, t'as carrément raison, il y a ce truc-là maintenant. Je suis incapable de te dire ce qui est dit, ce qui est proposé et tout, parce que je ne le vois pas. Donc, j'ai cet avantage-là qui est aussi, comme on le disait juste avant, parfois un inconvénient. Mais du coup, de ce côté-là, j'ai pas trop cette problématique. J'arrive vraiment à me centrer sur ce que j'ai envie de chercher. Mais par contre, des fois, j'ai juste rien envie de chercher et rien envie de faire. Mais je vais chercher à tout prix quelque chose au lieu d'aller faire quelque chose qui aura plus d'intérêt. Donc, par exemple, j'en sais rien, le nombre de fois où je tourne en boucle sur YouTube. J'ai vu toutes les vidéos que j'avais envie de voir, j'ai plus rien à regarder, mais je réactualise en me disant « est-ce qu'il n'y a pas un autre truc que j'ai loupé, que machin ?» Et pour le coup, ça pourrait s'apparenter à de la FOMO, mais je crois que parfois ça en est, je pense. Et majoritairement, ça n'en est pas, mais c'est juste que je pense que mon cerveau est tellement surstimulé par le téléphone qu'il est accroché à ça et qu'il n'arrive pas à s'en décrocher pour aller faire autre chose. Alors que, tu vois, il y a des fois où, par exemple, j'ai super envie de lire mon livre, mais la stimulation de mon téléphone ne me permet pas de me décrocher de mon téléphone pour aller lire mon livre.
ou pour aller jardiner, ou pour aller peu importe quoi, tu vois. Et je sens que j'ai très envie de faire autre chose et que ça serait en plus hyper bénéfique pour moi, mais je n'arrive pas à me décrocher de ce téléphone. Il y a une question de surstimulation, parce que de la stimulation, on en a besoin, mais de la surstimulation, c'est pas bon, et je pense qu'on est vraiment là-dedans. Et du coup, je suis accrochée au téléphone et je ne fais absolument rien sur le téléphone, mais c'est-à-dire que, tu vois, pour le coup, moi, je ne regarde même pas de nouvelles. Donc, je peux ne rien faire. Juste réactualiser la page Facebook, réactualiser la page YouTube, jusqu'à trouver une solution de quelque chose à regarder encore un peu. Et ça peut tourner longtemps comme ça, quoi. Ouais, c'est comme si t'étais ultra captivée ou hypnotisée par cet appareil, alors que... Ouais, non, c'est très compliqué. Je sais pas si tu avais une autre anecdote à ce sujet, parce que c'est vrai, je pense que franchement, on va être nombreux à se reconnaître dans ce genre d'attitude, je pense. Ben, j'ai pas. J'ai l'exemple concret. Hier soir, j'ai failli faire oui, d'ailleurs, je l'ai poussé. Non, on va prendre l'exemple d'hier soir. Enfin, j'ai poussé, j'ai fini par m'en sortir cette fois-ci, mais j'ai poussé. C'est-à-dire qu'hier soir, en fin de journée, donc j'avais bossé pas mal et. Je me suis sentie hyper fatiguée, c'est-à-dire que physiquement, j'ai senti des tensions dans mon corps et tout ça, tu vois, je sentais que j'en pouvais plus. Moi, quand j'en peux plus, qui plus est, quand on passe notre journée sur les écrans, ce qui est notre cas les trois quarts du temps, c'est pas des écrans dont j'ai besoin. Pour me relâcher et relâcher mes tensions, j'ai besoin de sortir des écrans. Sauf que, aussi, quand t'as fait une journée de boulot et que t'as la flemme, la première chose que tu fais, c'est quoi ? Te poser les fesses dans le canapé et regarder ton téléphone, la télé ou peu importe. Chose que j'ai bien évidemment faite hier soir. Donc je commence et tout, et puis une heure passe, deux heures passent, et je sens à l'intérieur de moi que ça va pas et que j'ai besoin d'évacuer certaines choses, donc je me dis, il faut que j'aille faire, il faut que... Mais la réalité, c'est que là, je suis encore une fois envahie de ce téléphone et de cette télé, et je n'arrive pas, c'est comme si mon cul était collé au canapé, il ne se soulève pas. Je n'arrive pas à passer ce cap, et franchement, ça a duré un long moment jusqu'à vraiment me sentir trop mal pour pouvoir continuer à regarder, mais c'est grave. Et c'est au moment où je me suis sentie trop mal que je me suis dit, vas-y, là, je vais aller prendre du temps pour moi, je vais aller faire un peu de yoga, je vais aller lire un peu et tout, chose que j'ai faite. Mais j'ai attendu de tomber bas. Alors, bon, bien sûr, dans un truc qui est encore OK, tu vois, je veux dire, j'étais pas à l'extrême, j'étais pas en train de m'enfoncer au fond d'un trou, mais... J'ai attendu d'aller pas bien pour réagir, quoi. Mais oui. Non. Et encore, t'as réagi parce que je pense qu'il y a des personnes, elles se disent, finesse, là, ça serait bien que j'aille me balader dehors, que je fasse une activité manuelle ou lire un livre ou des choses comme ça. Tu sais, au fond, c'est ça que t'as besoin. Tu continues à rester sur le téléphone. Et plus tu restes sur le téléphone, et plus ça te crée... je sais pas comment expliquer, presque une peur ou plutôt tellement une addiction que tu dis « Ouais, mais attends, maintenant je suis tellement là-dedans, je suis tellement en train de scroller mon téléphone. Il faut que j'aille lire mon livre. » Et le « il faut que j'aille lire mon livre », il devient une obligation. Et tu dis « Ouais, mais j'ai pas envie de m'obliger à lire un livre. Alors du coup, je reste sur mon téléphone. » Et tu repars dans un cercle vicieux, quoi. C'est hyper compliqué et je me dis, tu vois, là, je me questionne, je me dis, bon, on dépose tout ça et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, mais est-ce que il y a quelque chose qui te permet de switcher quand t'es dans ces moments-là? Est-ce que juste t'es envahi par tout ça et ça s'arrête là? Ou est-ce que t'as des techniques, des astuces, des j'en sais rien comment on peut appeler ça, qui te permettent à certains moments de switcher et de passer au-dessus de cette surstimulation, de tout ce qui se passe, pour aller vers ce dont tu as besoin et pas ce dont tu es attiré au fond de toi, quoi. C'est une vraie question. Je ne suis pas sûre d'apporter une réponse. Parce que vu que je me sens concernée... Je pense qu'on est nombreux à faire ça aussi. Quand tu sais que ça fait un moment que tu es sur le téléphone, tu te dis « Allez, encore 5 minutes. » Tu te dis 5 minutes et tu regardes l'heure et tu vois qu'il est 52, par exemple. Et tu te dis « Oh, allez, c'est bon, à 8 minutes près, j'arrête à la prochaine heure. » Les 5 minutes se transforment en 8 minutes supplémentaires.
Et des fois, c'est assez dur, ouais, de couper parce que il suffit que tout d'un coup tu dépasses, tu voulais arrêter de regarder ton téléphone à 16h, finalement il est 16h03. Putain, qu'est-ce que je fais? Je pousse à 16h05, à 16h10. Et en fait, vraiment, c'est dingue. Je pense que c'est là que tu sens un petit peu ouais, le fait que tu es accro parce que tu sais que tu vas arrêter et t'arrêtes pas, quoi. Enfin bon, du coup, qu'est-ce que je peux donner qu'un conseil? C'est très compliqué de répondre à cette question. Parce qu'en plus, il y a des choses que je ne fais pas. Je sais qu'il y a des téléphones qui proposent, tu sais, d'avoir une connexion ou d'aller sur les applications de telle heure à telle heure. Je n'ai pas ça. Je ne sais même pas d'ailleurs si sur mon téléphone j'ai cette possibilité. Si je l'avais, est-ce que je le ferais? Je ne sais pas. Soyons honnêtes. Je ne sais pas. Il y a juste. Il arrive un moment où je me fous un coup de pied aux fesses parce que je me dis, bon, maintenant ça suffit. De toute façon, t'as scrollé, t'as rafraîchi la page 15 fois. Il se passe rien de plus. Donc maintenant ça suffit. Tu poses le téléphone et tu vas faire quelque chose. Et après, je vais pas forcément faire le truc que je devais faire ou que je voulais faire ou quoi que ce soit. Mais au moins, je pose le téléphone et je vais faire quelque chose. Ce qui est bien aussi, c'est. Quand t'as plus de batterie en pleine journée et que tu vas brancher ton téléphone, moi je le branche dans une autre pièce. Donc déjà, je sais, ben là par exemple, typiquement, je suis arrivée en cours de batterie avant qu'on démarre l'enregistrement de ce podcast. Je suis allée brancher mon téléphone dans notre chambre et du coup, je ne l'ai pas sur moi, je ne l'ai pas à côté de moi. Donc déjà, j'ai pas la tentation de regarder, tiens, est-ce que j'ai reçu un message, est-ce que j'ai reçu une notification. Etc. Donc, est-ce que ça peut être une idée, est-ce que ça peut être une solution, je ne sais pas, mais ouais, essayez de vous en détacher un maximum. Quand vous avez une activité, que ce soit pour le travail, pour les études ou je ne sais quoi, essayez de poser, moi c'est ce que je faisais quand j'étais en formation de psycho, posez votre téléphone le plus loin possible de vous, quitte à ce que ce soit dans une autre pièce, parce que si vous avez vraiment envie d'aller voir votre téléphone, bah, va falloir vous lever, aller dans une autre pièce. On va voir si maintenant le physique prend le dessus, si le mouvement physique prend le dessus sur le téléphone. Mais je pense que déjà ça, c'est une bonne idée de mettre le téléphone dans une autre pièce. Idéalement, bah, ça c'est souvent ce qu'on conseille la nuit aussi. Hein. Quand on va se coucher, ça serait bien de laisser le téléphone dans la cuisine, le salon, le couloir, peu importe. Nous, malheureusement, on n'a pas encore de réveil. Pour se réveiller, donc on utilise le téléphone. Donc forcément, le téléphone est dans la chambre. Enfin, on a des mauvais réflexes par rapport au téléphone. Mais ouais, essayez de le mettre dans une autre pièce. Essayez d'avoir un réveil pour éviter que votre téléphone, ce soit votre réflexe dès le matin. Le brancher dans la journée, parce que souvent on se dit, je le branche la nuit ou le soir, comme ça, toute la journée j'ai de la batterie. Bah du coup, si vous avez la possibilité de, on va dire, de le brancher dans la journée et de ne pas en avoir l'utilité, bah, ça vous permet d'être moins aussi sur le téléphone parce que vous allez le brancher quelque part et vous savez qu'il est en train de charger, donc voilà, c'est ailleurs. Autrement, je t'avoue que je n'ai pas non plus beaucoup d'idées à part bah, couper Internet pour éviter d'avoir les notifications, enfin des choses un peu classiques, mais autrement, j'ai pas l'idée du siècle. Donc si jamais vous qui nous écoutez, vous avez une idée miraculeuse, on est quand même preneuse parce que bah, on est aussi concerné par cette problématique. C'est clair que là, pour le coup, on ne peut plus concerner. Et moi, la seule chose que j'ai remarqué qui m'aide un peu, parce qu'en fait, bon, je rejoins à peu près tout ce que tu as dit. La seule réalité, c'est que moi, ma problématique, c'est pas trop d'aller trop souvent sur le téléphone, c'est qu'une fois que j'y suis, j'arrive plus à en sortir. Donc, l'avoir loin, ça me pose pas de problème, parce que du coup, je vais faire ma vie, mais c'est le moment que je vais le retrouver que ça va être problématique. Et donc, moi, enfin, ma solution, qui n'en est pas une, parce que comme vous avez pu le voir, ça ne fonctionne pas du tout à chaque fois. Mais en tout cas, c'est simplement d'essayer de ramener de la conscience dans ce que je fais. J'en reviens toujours à cette conscience, mais je crois que dans quasiment tout ce qui se passe dans ma vie, ce qui me permet de switcher, c'est de poser de la conscience. Et à partir du moment où alors il y a des fois où j'en prends pas conscience et donc je peux passer des heures dessus, soyons honnêtes. Il y a des fois où j'ai un coup de clarté, un moment de conscience. Et dans ce moment de conscience, je me dis, OK, donc là, consciemment, je suis en train de tourner sur mon téléphone alors que je n'y fais rien. Et donc, je me
parle à moi-même, en fait, je m'instaure un peu un dialogue intérieur à savoir pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce que je cherche, de quoi est-ce que j'aurais plutôt besoin, et ainsi de suite. Et en fait, le fait juste de poser de la conscience sur ce que je fais et sur le fait que là, ça n'a aucune utilité et que ça m'apporte que du négatif, me permet de switcher et d'aller faire autre chose. Et c'est comme ça, hier soir, par exemple, que j'ai réussi à aller faire autre chose, mais ça ne marche pas à chaque fois. Mais là, c'est de la force mentale, hein, moi, je trouve. Hein. Oui, je pense que c'est vrai, t'as raison. En plus, je pense que d'une certaine manière, c'est un peu une forme de discipline, peut-être, ou quelque chose ah, oui. Dans ce style, tu vois. Mais je trouve que ça fonctionne bien à partir du moment où on en a conscience et qu'on a conscience aussi de nos besoins, en fait. Si tu t'écoutes suffisamment, que t'écoutes ce que tu vis là, de quoi est-ce que tu as besoin, et donc ce qu'il est nécessaire ou pas que tu fasses à ce moment-là, la logique pour ton bien-être, si tu t'aimes suffisamment, devrait être que tu prennes ce chemin-là. Encore une fois, on est bien d'accord que personne n'est parfait et que nous les premières, on ne prend pas toujours ce chemin-là. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'aide quand j'ai envie d'être dans cette dynamique, en fait, de prendre soin de moi finalement, tu vois, parce que je trouve qu'au final, le point de chute, il est là, c'est prendre soin de nous. Ouais, je trouve ça génial qu'on a abordé cette thématique, et surtout que dans cette thématique, je pense que c'est une des premières fois où on arrive un petit peu avec notre problématique et pas trop de solutions. Et je trouve ça cool parce que je pense que ça va beaucoup permettre de relâcher la pression aux personnes, parce que souvent on se dit... les thérapeutes, ils savent mieux que nous, ils font tout parfait, parce que c'est vrai que... Mais je pense que ça va être l'objet d'un nouvel épisode. C'est ce qu'on montre sur les réseaux, ce qu'on voit sur les réseaux, et on voit beaucoup de thérapeutes sur les réseaux qui ont un mode de vie ultra clean, qui mangent 5 fruits et légumes par jour, qui boivent 2 litres d'eau par jour, qui arrivent à être sur leur téléphone juste une heure, et ce genre de choses. Et je trouve ça bien, finalement, que toi et moi, on arrive en disant « bon, bah, on n'y arrive pas ». Et c'est bien, on est humain, en fait, et je trouve ça cool, parce que moi, j'en ai marre de voir des choses parfaites sur les réseaux, alors qu'il y a un moment donné dans notre vie, il y a un truc sur lequel c'est mort. On n'y arrive pas. Le téléphone, c'est très compliqué. Surtout au jour d'aujourd'hui. Je sais que ça ne se dit pas, mais j'ai dit au jour d'aujourd'hui. C'est très difficile de ne pas être sur son téléphone H24. Donc, bon, je trouve ça assez drôle qu'on ait échangé là-dessus en arrivant avec notre problème et en repartant avec... C'est clair que là, on repart vraiment avec notre problème pour le coup. D'ailleurs, on espère vraiment que vous allez nous aider. Peut-être que vous allez faire notre thérapie du téléphone. Vous avez des conseils, une expérience par rapport à ça, des solutions à nous donner. En tout cas, on est toutes oui. On sera très heureuses de vous écouter pour le coup. Exactement. Franchement, lâchez-vous. C'est votre quart d'heure. Soyez notre thérapeute, s'il vous plaît. Apporter des solutions ou pourquoi pas des idées ou une expérience de vie. Franchement, n'hésitez pas à nous partager ce que vous souhaitez et on a hâte de vous lire. Et on vous dit à très vite. À très vite.